Ah. Bonsoir, une avant. On a. Heureusement que c'est pas le rafting maintenant, effectivement. Parce que le bateau arriverait là. On a beaucoup de monde sur le podium aujourd'hui. Heel Veel Volk, comment on dit, une belgische coproductie. All the gods in the sky, tous les dieux du ciel. De Franse regisseur tekent hier zijn derde film na Marginal Tango, Bushido Boogie, All Gods in the Sky, is eigenlijk de langspeler van de kortfilm die overal prijzen heeft gewonnen en zelfs in Sundance is geraakt. Mesdames, messieurs, dames en heren, un applaudissement pour Quarx. Wow! Bienvenue. Nous avons également plusieurs comédiens du film. Vous le connaissez tous de ses rôles comiques, notamment dans Dickeneck ou même Rien à déclarer. C'est Jean-Luc Couchard. Autre rôle du film, c'est il est pour Xavier Mussel. Mais il y a également une vraie actrice dans le film. Et elle s'appelle Zélie Rickson. Vous remarquerez le détail qui claque, le t-shirt Stranger Things. Goed, producers zijn ook meegekomen. Er zijn heel veel producers, maar er zijn er maar twee die hier mee zijn op het podium. En dat zijn François Cognard et Vincent Branson. Ben bienvenue à tous. Quoi que j'ai lu dans que quelque part sur Internet, et donc c'est vrai, vous refusez l'étiquette du film de genre. Alors non, pas vraiment. Comme tu viens de le dire, fake news, total, Internet, mytho. C'est pas vrai, je refuse pas du tout l'étiquette de film de genre. J'en avais parlé effectivement, j'étais surpris par l'étiquette de film de genre en fait au début, mais je me suis adapté à ça et c'est vrai, finalement ça peut être un film de genre, je suis d'accord. Moi j'avais juste une histoire en tête. Je me suis jamais dit ok viens on va faire un film de genre. Je pense que tous les films sont des films de genre. Je pense que la vie elle-même est un film de genre. On n'est jamais dans le même état d'esprit. Tout change, rien n'est ancré. Et j'avais pas envie en écrivant cette histoire, voilà, d'être figé dans quelque chose d'immuable. Donc voilà, donc film de genre, très bien. Si on veut considérer ça comme un film de genre, ben c'est un film de genre. Ça peut aussi être un film d'auteur, ça peut aussi être un drame rural. Voilà, je suis prêt à tout accepter. De courte versie is dat hij. Non mais c'est. Vous avez de la chance, en français vous avez de la chance. In Nederlands moet het een klein beetje korter, anders zit u hier nog duizend jaar. Maar, dus het is niet dat hij tegen het etiketten, genre-etiketten is. Hij zegt gewoon van, dit is eruit gekomen, dat is een film. Het kan ook een auteursfilm zijn of een drama. Maar hij vindt het zeker niet erg om een genrefilm te noemen. Et alors, ça c'est toujours bien. L'idée est venue en photographiant des cadavres, comme on fait un week-end quand on s'emmerde. On y va, on prend son appareil photo, on fait des photos de cadavres, quoi. Tu vois, enfin, voilà, ouais. Non. Si. Alors, c'était pas vraiment un divertissement du week-end, mais effectivement, oui, c'était ça. Je travaillais, enfin, j'étais photographe à cette époque-là et je travaillais sur un travail photographique qui a trait à la mort. Et je me retrouve dans une morgue pour la première fois de ma vie, confronté à un cadavre. Et sur cette table, finalement, d'autopsie, il y avait une jeune femme d'une trentaine d'années. Et je demande à l'anapath, donc au docteur, quelle est son histoire, hein, pourquoi est-ce qu'elle est, voilà, qu'est-ce qui s'est passé.
Et elle me raconte une histoire absolument, moi que j'ai trouvée incroyable. Elle me dit que cette femme a été retrouvée chez son frère et elle était morte depuis plus de 3 semaines. Et son frère, en fait, pendant ces 3 semaines, avant d'appeler les autorités pour prendre en charge le corps de sa sœur, vivait vraiment avec elle et n'acceptait pas la mort de sa sœur. Il n'acceptait pas que sa sœur puisse être décédée. Donc il traitait son cadavre comme si elle était vivante. Donc il la nourrissait, il lui faisait prendre des bains, il la posait devant la télé, il passait des soirées avec elle. Et ça m'a vraiment interpellé. Et je me suis dit que j'avais envie d'inventer... C'était à Charleroi, en fait. C'était en Belgique, quoi. Non, non, c'était à La Réunion. Mais voilà, donc ça m'a vraiment interpellé et je me suis dit que j'avais envie... Elle avait un training, la bonne femme, ou pas ? Quoi ? À Charleroi. Bon, voilà. Et donc voilà, j'avais envie d'inventer, je me suis dit que voilà, j'avais envie d'inventer l'histoire de ce frère et de cette sœur sans la connaître, mais j'avais envie de redonner une identité à cette personne morte face à moi. Et c'est vraiment comme ça que m'est venue l'impulsion, l'idée d'écrire ce film. Voilà. Dus het idee van de film was, hij was op een fotografisch project waar hij lijken ging fotograferen. En voor de eerste keer heeft hij een dame voor hem die al 3 weken dood was. Want haar broer, met wie ze leefde, kon het zich niet inbeelden dat ze dood was. En hij bleef haar dus verzorgen en bad geven en voor tv zitten. Weekend at Bernie's eigenlijk, maar dan... Nee. En hij vond dat een ongelooflijk verhaal en hij wou dus terug een identiteit geven aan het lijk van die hij voor zich had. En dat geeft dan deze film. Jean-Luc, on te connaît plutôt des rôles dans les films comiques. Et donc là, tu joues un rôle complètement sérieux. Est-ce que tu moi, j'en ai rien à foutre. Je fais tout, moi, je fais rien battre. Ah putain, moi, je suis un acteur de théâtre. Moi, j'ai fait des rôles sérieux, tout ça. Et puis en plus... T'as pas vu ma filmographie, j'ai commencé par Calvaire, je te signale. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je n'ai rien à foutre, moi, ça va. Voilà, ça c'est quand on se fait remballer sur son podium. Écoute, merci beaucoup à tous. On vous retrouve pour le Q&A. Chanson After Arken. Moi, je vais vous chanter la chanson de... justement pour rendre hommage à Fabrice Duhel, je sais pas si vous avez vu Quand on est amoureux c'est merveilleux. Oui, oui. Eh ben voilà. Et vous vous souvenez de la chanson d'Adam? Adam, madame, petite madame, accordez-moi l'espoir d'un rendez-vous. Ma vie est pleine de moudous, car je suis amoureux de vous, petite madame, madame, madame. Je vais vous faire la version trash maintenant. Madame, petite madame, accordez-moi l'espoir d'un rendez-vous. Ma vie est pleine de moudous, car je suis amoureux de vous, petite madame, 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 petite madame, madame, madame. Merci beaucoup à tous, on vous retrouve pour le Q&A. Merci. Après la séance. Donc voilà, vous voyez, le Q&A risque d'être animé. Grâce à la Q&A, c'est dans le Terrarken. Het is een Belgische première, c'est une première belge. Ik zou graag Film Boutique willen bedanken voor de film. Et alors, je voudrais vous parler encore d'une séance un petit peu particulière. C'est la masterclass de Steve Johnson. C'est vendredi, il me semble, à 9h. Mais vous pourrez vérifier sur le programme. Masterclass donc sur les effets spéciaux, c'est quand même un maître du genre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, même si ce n'est pas un film, ça va certainement être très intéressant. Bon film, oui film.